Bonjour les dames, monsieur Abdelzak Douhari, bonjour. Bonjour Souhila. Yenayer institutionnalisé, vous avez déclaré il y a un an, jour pour jour, que Yenayer, c'est le ciment de l'unité et de l'identité de la société algérienne. Yenayer, aujourd'hui institutionnalisé, fête nationale, c'est un aboutissement d'une revendication identitaire, monsieur Douhari. Oui, en effet. J'avais parlé aussi à l'époque, donc c'est pas très longtemps, il y a un an, mais j'en avais parlé déjà et écrit, que l'Algérie, la société algérienne, la nation algérienne et l'État algérien devaient aujourd'hui actualiser ou réactualiser le récit national algérien. Ce récit national, ça s'appelle comme ça un peu partout dans le monde. Les Américains l'appellent « the American National Myth ». Nous, c'est bon que ça va être le récit national algérien dans, à travers un ensemble, la réactualisation d'un ensemble de symboles. Parmi ces symboles, bien évidemment, il y a la langue tamazirte, qui est un bien des Algériens et des Maghrébins millénaires, qui ne date pas d'hier. Et Yenayer, qui est le plus visible et qui est fêté dans tout le Maghreb, en plus de l'Égypte et des pays de la Méditerranée, parce que c'est une fête agraire. C'est une fête agraire, donc toutes les communautés qui vivaient, toutes les sociétés qui vivaient de l'agriculture, eh bien, ils fêtaient Yenayer. Yenayer, fête nationale, c'est un aboutissement d'une revendication identitaire, monsieur Douhari. Oui, c'est un aboutissement, en effet. Au début, peut-être qu'on ne voyait pas très bien à quoi ça pouvait servir tout ça. Mais en réalité, quand on voit la chose du point de vue de l'anthropologue et non pas du politologue, le politologue s'occupe de ce qui est actuel, de ce qui organise la société aujourd'hui, l'anthropologue voit la profondeur, il voit l'histoire, il voit l'évolution. La société et les individus dans la société font allégeance à un État, à une société, à une nation à travers un ensemble de symboles. Le symbole de Yenayer, c'est le symbole de la maghrébinité, c'est le symbole aussi de la Méditerranée, je le disais. Mais déjà, au niveau du Maghreb, c'est une population qui a le même fond anthropologique. C'est-à-dire que nous sommes tous amazirs, à une très grande majorité. Ça dépasse les 95% de la population qui sont d'origine amazir. Et donc, l'identité, pour qu'elle puisse se concrétiser auprès des individus, en réalité, l'identité implique deux dimensions. Elle implique la mêmeté et elle implique aussi la différence. Donc, on est même entre nous et on est différent en tant que nous collectif par rapport à un autre. Donc, en fait, le symbole de Yenayer comme la langue amazigh, etc., font que nous ressentons être les mêmes. Nous sommes ensemble, nous constituons un tout homogène. Donc c'est ce qu'on appelle aussi en anthropologie, pardonnez-moi, la recosmisation du monde. C'est-à-dire l'individu, quand il est dans un monde, il peut considérer qu'il est dans un monde hétérogène et il a peur. Mais quand il est dans un monde où il a ses propres symboles qui sont autour de lui, donc dans l'État, dans les institutions, dans les médias, évidemment, ils se sont rassurés. C'est ce qu'on appelle recosmiser le monde. Donc aujourd'hui, avec l'institutionnalisation de Yenayer comme journée nationale, chômée et payée, c'est un symbole très fort qu'on envoie à la société pour son unité et pour sa survie. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez un instant, professeur Douhari, pour beaucoup d'anthropologues dont vous faites partie, perpétuer cette fête millénaire au sein de la société est perçu comme un élément symbole qui a contribué à renforcer son identité, à récupérer son histoire et son algérianité, puisqu'il faut le reconnaître que cette fête est célébrée à travers tout le pays et toutes les régions, et même à travers tout le Maghreb. C'est important. Même si la célébration est différente d'une région à une autre. La célébration diffère uniquement par les mets, parce que tout simplement nous sommes un pays qui est un continent. Nous avons 2,5 millions de kilomètres carrés, nous avons le désert, nous avons les hauts plateaux, nous avons le nord qui est boisé. Donc le type d'agriculture qui s'y pratique n'est pas le même.
chez les MZAB, d'ailleurs, ils commencent l'année le 6 et non pas le 12, comme au nord. Et parce que l'agriculture saharienne exige que l'année commence un peu avant celle du nord. Eux, ils font un ensemble de plats qu'ils appellent Thazoda Nerfis, qui est du pain qui est émietté comme ça. On met un ensemble du fondant, comme du beurre ou du beurre rance, etc. On met des œufs, on met donc tout ce qui représente justement le symbole de la fécondité. Mais chaque région a ses plats qui correspondent à sa production agricole. Chez les Kabyles, c'est le couscous avec plusieurs légumes secs, des skissos, donc il y a cette variété de légumes secs qu'on met, avec toujours des œufs, symbole de fécondité, d'abondance, parce que le Yinayer, en fait quoi en fait ? En fait la fin d'une année qui est complètement morte, mais qui est morte pour que la vie renaisse. C'est la célébration de ce qu'on appelle le mythe de l'éternel recommencement ou l'éternel retour de la vie. Donc elle disparaît, l'année disparaît, se termine à un moment, donc elle est morte, et ensuite il y a un renouveau, et c'est ça le mythe de l'éternel retour ou de l'éternel recommencement. Mais cette célébration a renforcé aujourd'hui l'identité algérienne. Yenayer est aujourd'hui institutionnalisé. C'est le résultat ou un aboutissement d'un combat citoyen qui est passé par plusieurs étapes déjà, avec la création en 1995 du HCA, le Commissariat à la Mésérité. Vous partagez ce point de vue, professeur Dourari ? Je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains algériens, comme Mustafa Al-Sharaf par exemple, sociologue, mais il y a aussi d'autres historiens, etc., qui avaient déjà, sans passer par la lutte militante donc, sur le terrain, avaient en tant qu'intellectuels parlé des symboles de cette nation. On ne peut pas fonctionner sans symbole. Ça n'existe pas. On ne peut pas. À l'échelle d'un intellectuel, évidemment, le symbole, il est analysé, il est décortiqué, etc. Ça n'est pas ça la question. La société n'est pas faite que d'intellectuels. Elle est faite de personnes qui vivent normalement leur culture et pleinement leur culture. Donc si on a les symboles, ils s'y reconnaîtront. Si on n'a pas ces symboles, ils ne vont pas s'y reconnaître. Mais la lutte citoyenne avait commencé aussi dans les années 80. Dans les années 80, ce qu'on appelle le mouvement d'avril 80, les militants d'avril 80 avaient posé, parce que justement c'était une partie de l'élite algérienne qui était très instruite, très cultivée. Il y avait des médecins, il y avait des pharmaciens, il y avait donc des gens des sciences sociales et humaines et tout, et qui avaient déjà parlé de la nécessité de réunifier l'identité algérienne autour du socle fondamental culturel, linguistique, amazir, qui est multimillénaire. Parmi ces éléments, il y a Mohamed Harkoun, qui en avait parlé dans pratiquement tous ses écrits. Reconquérir ces éléments, c'était une demande de tous les intellectuels algériens, auparavant, ceux qui avaient écrit sur ces questions-là, mais aussi d'une lutte militante qui s'était exprimée la première fois d'une manière très claire, c'est en 1980. Déjà, le HCA est un processus d'aboutissement de la lutte. En 95, on a fini par comprendre que la mazérité avait sa place centrale en Algérie, et l'État avait accepté de mettre en place l'institution du HCA en 1995 et d'introduire l'enseignement de la mazir dans le système éducatif algérien. Et il y a eu d'autres étapes par la suite qui ont été franchies, c'est-à-dire l'officialisation de la langue amazigh comme langue nationale, puis langue officielle, et aujourd'hui, c'est l'institutionnalisation de Yenayer. C'est un aboutissement de tout ce travail qui a été engagé depuis les années 80 à ce jour, et bien après, bien avant plutôt. Bien avant, si on avait le temps, je vous en parlerais depuis 1926, où déjà on parlait de l'étoile nord-africaine. S'agissait-il à l'époque de l'appeler l'étoile nord-africaine ou l'étoile algérienne ? Donc la notion d'algérianité, il était déjà avant, tout à fait au début du mouvement national. C'est comme si aujourd'hui, avec toutes ces étapes franchies, l'État algérien a enfin revêtu le costume de l'algérianité
de son histoire et de sa véritable identité. Alors aujourd'hui, il y a un autre chantier qui est à prévoir avec la mise en place et la mise en œuvre effective de l'Académie de Temesvar. C'est l'Académie où les scientifiques qui vont à l'avenir définir le choix du caractère de transcription de Temesvar. C'est un autre chantier aussi important puisque vous dites qu'il ne va pas aboutir au bout d'un an ou deux ans. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine, donc on dira encore une fois que d'une manière générale, la normalisation de statut a abouti. Donc là, c'est la revendication auprès de l'État. Donc, Temesvar est langue nationale, elle est officielle. Il lui reste un point. C'est la loi organique. Je crois qu'il y a eu instruction de la présidence de la République pour que précisément... On accélère les travaux. L'académie, c'est la jonction entre l'aménagement de statut et l'aménagement de corpus. Donc on passe à la langue maintenant. À la langue, il faut beaucoup de chercheurs, beaucoup de spécialistes qui doivent se disperser dans tout l'espace algérien où Temesvar est parlé, dans ses différentes variétés, comme le précise l'article 4 de la Constitution précisément, de recueillir cette langue, le corpus de cette langue, et ensuite de passer à l'analyse. Est-ce que ça va prendre du temps? Oui, ça prendra du temps. Mais l'Académie ne va pas dormir pendant 15 siècles en attendant qu'elle produise quelque chose. Au fur et à mesure qu'elle fonctionnera, elle va produire, parce qu'il s'agit dans un premier lieu pour concrétiser le statut de langue officielle, de lui permettre de rentrer dans l'administration locale. Déjà pour répondre aux citoyens. Le citoyen, quand il va à la mairie, il peut parler dans sa langue. Quand il va au tribunal, il pourra parler dans sa langue, etc. Donc c'est ça les premiers jalons. Mais au fur et à mesure, il y a un processus d'élaboration qui est perpétuel, comme c'est le cas du français, de l'anglais et des autres langues développées. Mais justement, par rapport à cette question, monsieur professeur Douhari, vous dites, pour définir le choix du caractère de transcription de Temesvar, vous êtes catégorique, vous êtes contre l'unification du caractère, car vous considérez que chaque région a sa spécificité. Oui. Et vous référez un peu à l'expérience marocaine qui a pratiquement échoué. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis ni pour ni contre, bien au contraire, comme dirait Coluche. Moi, je constate, il y a une diversification, notre pays est très grand. Il y a des régions qui sont définies culturellement et linguistiquement. Ce qui fait que si la société veut le caractère arabe, je parle de la société, si elle veut le caractère arabe, tant mieux. Celui qui veut le caractère latin, tant mieux. Celui qui veut le caractère tifinagh, tant mieux. Donc l'académie est censée normaliser dans les trois graphies pour les trois types de demandes qui existent sur notre territoire et notre société. Et l'expérience marocaine, effectivement, a choisi une alternative qui n'était pas très intéressante. Les gens le savaient au départ. Ils ont choisi le tifinagh. Le tifinagh, symboliquement, est très important. Du point de vue emblématique, c'est quelque chose de très important. Il faudra l'utiliser dans ce sens-là. Mais au niveau fonctionnel, c'est pas vrai, ça marche pas. Alors, professeur Douhari, moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect par rapport à ce qu'on a déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. On a abordé la question de l'Académie de Temesvar, mais on peut considérer que beaucoup de choses ont été faites jusque-là, c'est-à-dire qu'en fait, l'Académie ne demeure pas de rien. Comment peut-on envisager à l'avenir le travail de cette Académie pour définir la polygraphie ou le caractère de transcription de la langue Temesvar? L'Académie de Temesvar ne va pas démarrer à partir de zéro, parce qu'il y a déjà, dès le 19e siècle, il y avait déjà des travaux sur les différentes variétés, sur le Touareg, sur le Mozabite, sur le Kabyle, sur le Chaouia, etc., sur le Znatia, sur le Tagregrent de Ouargla, qui est en train de disparaître petit à petit, est en train de nous quitter sur la pointe des pieds. Donc il y a déjà des travaux, déjà durant la colonisation. À l'indépendance aussi. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont continué ou qui ont amélioré, approfondi les travaux qui étaient déjà faits par les orientalistes de l'époque. Depuis l'indépendance à aujourd'hui, il y a beaucoup de thèses qui ont été soutenues sur les différentes variétés. Il y a beaucoup donc de travail scientifique. Donc on connaît grosso modo ces variétés, on les connaît scientifiquement. Ce qu'on ne connaît pas, par contre,
Donc, au-delà des dictionnaires qui ont été faits, etc. Et par exemple, chez les Mozabites, depuis le 8e siècle de l'ère chrétienne, ils écrivent leur langue en caractère arabe et ils avaient déjà des dictionnaires, etc. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est la langue telle qu'elle est aujourd'hui. C'est l'analyse synchronique. C'est comme ça qu'on l'appelle en linguistique. Ce n'est pas l'analyse diachronique, ce n'est pas l'évolution de la langue à travers les siècles, mais c'est la photographie de la langue aujourd'hui. Donc ça, on ne l'a pas fait malheureusement, et c'est pour ça qu'il est nécessaire de constituer un corpus général de la langue par variété, et ensuite constituer une base lexicale à partir de ce corpus, bien sûr, et une base lexicale spécialisée pour chacune des variétés. Le travail, depuis l'enseignement de Tamazight, se fait depuis 90 dans les universités. Les départements de Tamazight qui existent, il y en a 4 à travers le territoire national, ils ont accumulé aussi beaucoup de connaissances, soit à travers les thèses de doctorat ou à travers les magistères ou à travers carrément les efforts qu'ils ont consentis pour la didactisation de ces savoirs et l'enseignement qui est pris en charge aujourd'hui au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Tout ça, ce sont des acquis. Ça va déblayer beaucoup le terrain. Donc l'Académie aura pour tâche, à mon sens, ou se donnerait comme tâche d'abord de filtrer tout ça. Parce que nos universités ne fonctionnent pas véritablement comme des universités. Il n'y a pas de véritable conseil scientifique qui filtre les travaux des individus. Le HCA, quand il a dirigé des recherches, c'était des individus, ce n'était pas des groupes, et il n'y avait pas un conseil scientifique qui filtre. Donc l'Académie doit filtrer aujourd'hui tout ce travail. Donc il y a déjà de l'acquis. Il est là, il est devant nous. J'allais dire du prêt-à-porter ou du prêt-à-penser, il est déjà là. Mais il faut bien évidemment le réorienter, parce que maintenant, Tamazight n'est plus une langue taboue. C'est une langue officielle, c'est une langue de l'État et donc des institutions. Et les institutions ont besoin d'une réorientation du travail afin qu'on puisse bien évidemment parler Tamazight dans les tribunaux, dans les administrations locales, les mairies, les wilayas, et dans la presse et même dans les ambassades. Vous parlez de corpus général de la langue. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là pour qu'on puisse comprendre avec des termes beaucoup plus simples? C'était déjà simple quand on disait corpus, mais bon, le corpus en fait c'est un ensemble donc de paroles recueillies ou d'écrits anciens ou nouveaux recueillis, mais recueillis auprès des locuteurs directement, pas à travers seulement des documents historiques, parce que les documents historiques renvoient à une étape d'évolution de la langue. Aujourd'hui, la langue, elle a beaucoup évolué. Elle a évolué parce qu'on ne vit pas, le kabylophone ne vit pas dans le même contexte social, économique, etc., que celui dans lequel il vivait dans les années 20, ou dans les années 30, ou dans les années 60. Et maintenant, l'Algérien est moderne. Il a des besoins qui sont complètement différents. Donc, les besoins d'expression linguistique doivent évoluer avec. Mais là, aujourd'hui, le kabylophone parle de son milieu. Il parle des objets qu'il utilise dans sa maison. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'Académie, il va falloir aussi trancher et trouver un consensus sur la langue à adopter, puisque déjà, nous avons vu qu'il y a une multitude de diversités par rapport à la langue amazigh d'une région à une autre qui diversifie par rapport aux termes qui sont employés? Franchement, je pense que c'est une question purement politique. Ça n'est pas à l'Académie de dire s'il faut unifier ou pas. L'Académie étudie. Non, je n'ai pas parlé d'unifier, j'ai dit de trouver un consensus sur les termes qui sont employés, qui parfois sont différents d'une région à une autre, à travers tout le territoire national. Le Tergui est différent un peu du Mzab, et vous avez aussi, par exemple, l'Amazigh qui est différent des autres, le Chaoui est différent aussi, par exemple, du Kabyle. C'est vraiment diversifié. C'est effectivement diversifié parce que le territoire est grand. Vous ne pouvez pas prendre la langue française, par exemple, qui a plusieurs siècles de normalisation derrière elle et une grande masse de normalisateurs et de moyens techniques, etc., continue à normaliser sa langue au fur et à mesure. Donc l'année passée déjà, ils ont revu l'orthographe.
Donc c'est une normalisation, une renormalisation, simplification de l'orthographe française qui est l'une des orthographes les plus compliquées de la planète, à côté de celle de la langue anglaise qui est encore plus compliquée. Donc c'est un travail au continu. Donc la variation, elle est normale. Et l'académie doit fonctionner selon les principes de la linguistique. La linguistique reconnaît la différence et elle la décrit. Elle en fait le constat. Elle dit voilà comment c'est. Ensuite, quand on a normalisé chacune des variétés telles qu'elles sont, qu'est-ce qui empêche par la suite s'il y a une fonctionnalité sociale, le marché linguistique, s'il a besoin d'une langue unifiée qui s'appellerait Temazirt, donc au singulier, à ce moment-là, oui. Mais je vois par exemple qu'au Maroc, ils sont partis sur cette perspective depuis 2003. Et ils trouvent que ça n'a servi à rien, puisque maintenant, ils envisagent de revenir à la recherche et l'enseignement des variétés. Par exemple, je prends le Koutama, qui est parlé au nord du Maroc. Le Koutama, il n'est pas pris en charge dans ce qu'ils appellent la mesure standard. La mesure standard prend en charge essentiellement le chleuh, et même le chleuh de Sousse, et pas tout le chleuh de manière générale. Il y a le tarifit qui n'est pas pris en charge. Il y a, etc. Donc, on a essayé de faire une synthèse. J'avouerai que les Marocains, ils avaient 7 centres spécialisés. 7 centres où il y avait des gens qui étaient très costauds dans le domaine. Et en plus, le directeur de l'IRCAM, le recteur de l'IRCAM, est un grand sociolinguiste connu à travers la planète. Donc, et en plus, militant. Et la générosité, trop de générosité... on dit bien l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et là, le problème, c'est que ça a complètement échoué et maintenant, ils recadrent. D'ailleurs, ils ont oublié l'IRCAM, ils font un institut national des langues et cultures du Maroc. Cet intitulé, il est très proche de la réalité de ce qu'on appelle la société langagière. Mais si on veut comme ça, parce que nous sommes gentils, parce que nous sommes généreux, on voudrait tout réunifier, etc., on risque justement de tuer. C'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. L'actuel Temazirt est une langue complètement artificielle qui risque d'écraser les langues maternelles telles qu'elles sont vécues et parlées par nos concitoyens chez les Touaregs, chez les Mozabites, chez les Chaouia, les Kabyles, etc. Alors pour l'enseignement de Temazirt, qui a été élargi à 38 wilayas aujourd'hui, professeur Douhari, le ministère a édité des livres ou des manuels scolaires en 3 transcriptions, en latin, en kabyle et en arabe. Est-ce qu'il va falloir définir et trancher définitivement sur une lettre commune? Il faut travailler rapidement, professeur Douhari. L'État algérien n'avait pas d'institution en 1995 pour s'occuper de la normalisation de Temazirt. Donc il y avait un manque, un grand absent, c'était cette institution de normalisation. Le ministère de l'Éducation nationale, qui est un démembrement de l'exécutif, il exécute, lui, la politique éducative de l'État et, bien évidemment, la politique linguistique de l'État. Donc il y a une forte demande sociale, il a répondu à la forte demande sociale dans l'urgence. Ensuite, il s'est repris un peu en 2003, il a amélioré les manuels, etc., mais c'est toujours des individus qui intervenaient dans le processus justement de fabrication des manuels. C'est pour ça que nous avons des manuels aujourd'hui qui sont essentiellement fondés sur le kabyle et non pas parce que l'essentiel des gens qui travaillent dans la fabrication des manuels sont kabyles. Donc il y a une production des manuels qui est fondamentalement basée sur la variété kabyle. Et moi, je reviens de Rardaya, l'inspecteur de Temazirt de l'éducation nationale. Il a eu à s'expliquer devant la population pour le fait qu'il n'enseignait pas le mozabite. Il enseigne en fait une espèce de kabyle un peu forcé. Bon, on peut comprendre ça parce que l'État a répondu à une urgence. Il fallait le faire. Donc l'urgence était politique. Elle n'était pas linguistique ou scientifique. Aujourd'hui, il est nécessaire de mettre en place une académie. C'est elle qui peut dire au ministère de l'Éducation nationale, qui est déjà une véritable usine à gaz, donc celui qui la gère, franchement, bravo, parce que c'est pas évident, c'est pas ministère. Il y a tous les problèmes de l'Algérie, culturels, politiques, linguistiques, idéologiques,
et même d'autres, la délinquance est maintenant projetée dans l'école. Donc celui qui gère ce secteur, vraiment, vraiment bravo. Donc on ne peut pas lui ajouter la question de la normalisation de la langue tamazight. Il faudra peut-être dire aussi que la langue arabe scolaire a besoin d'être renormalisée, parce que la norme qui existe est une norme dépassée. Mais justement, il faut aller graduellement, ne pas se précipiter, professeur Dourari. Il ne faut jamais se précipiter en la matière. Il faut aller crescendo, mais il faut aller mollo. Si on va trop vite, même on risque de tout casser. L'enseignement. L'enseignement, il existe, on ne peut pas l'arrêter. Mais il faut l'améliorer. On ne peut pas enseigner du kabyle aux Zenata. On ne peut pas enseigner du kabyle au Chaouia. On ne peut pas ou du kabyle au Mozabite ou aux Touareg. Les Touareg, ils ont leur variété. Ça, c'est notre histoire. Il faut qu'on l'assume. Nous sommes un peuple diversifié, avec des cultures diversifiées. Mais nous avons un État qui est la propriété de tous. Donc, il faut que chacun puisse se retrouver dans cet état. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, on insistait sur le symbole de réunification que constitue Yennayer. Yennayer est quasiment au même titre que le drapeau national. Mais le drapeau national, en tant que symbole d'unification nationale, il est né dans les années 20. Le Yennayer, il est depuis la plus haute antiquité. Donc, il y a des symboles qui font que nous nous sentons algériens, quel que soit le lieu où nous sommes. Et cette diversité doit nous unir aujourd'hui. Cette diversité, il y a une façon de la gérer. Ça s'appelle le multiculturalisme cosmopolite. Donc, les gens, ils ont le droit de vivre leur spécificité, mais il y a un noyau dur qui s'appelle la citoyenneté, et tout le monde est obligé de fonctionner dans le cadre de la citoyenneté qui est définie par les lois de la République. Professeur Abdelazar Dourari, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end. Merci à Bonne vous fête aussi. Également à tous les Algériens. À vous aussi. Merci.